Bonjour les amis Capricorne, c'est Isawatt pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel aussi également, parfois, vous savez. Donc, merci d'être là, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc, guidance pour le mois de mars 2022. Je vais commencer cette vidéo en répondant à une question que l'on me pose beaucoup en ce moment, c'est... Pourquoi est-ce que je ne propose que du sentimental sur YouTube? Eh bien, la réponse est très simple, c'est que c'est le sujet qui m'intéresse le plus. C'est pour moi l'amour, au sens large du terme, est la seule énergie valable dans ce monde de 3D que nous expérimentons ici. Donc, voilà, c'est pour ça que je ne propose que des tirages sentimentaux. Je n'aurai pas le temps, en plus, de faire... d'autres tirages sur d'autres sujets pour les 12 signes, puisque c'est très très long. Donc voilà, je me concentre sur le sentimental. Cela dit, quand je fais des guidances privées, hein, évidemment, je réponds aussi sur les autres domaines de vie. Allez, c'est parti donc pour les Capricornes pour ce mois de mars. Nous allons commencer par une arcane majeure du tarot de Marseille qui va vous indiquer l'énergie générale de ce mois. Donc, bien sûr, vous le savez, cette guidance est valable pour les Capricornes en signe solaire, mais aussi ascendant, signe lunaire, en Vénus. Donc, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oh, nous avons Tempérance. Donc, beaucoup de douceur, beaucoup de fluidité avec cet arcane. Tempérance est une carte aussi de protection, de fluidité dans la communication. À l'origine, Tempérance est un ange hein, sur la carte d'origine. Donc voilà une idée comme ça de protection. Avec Tempérance, on peut être amené à mettre de l'eau dans son vin, à négocier quelque chose. On peut nous parler avec Tempérance d'une idée de réconciliation. Réconciliation intérieure, mais aussi réconciliation, pourquoi pas, avec quelqu'un d'extérieur. Mais voilà, on est dans une énergie comme ça qui comporte énormément de douceur. Alors, évidemment, avec Tempérance, ne pas essayer de faire fonctionner ensemble des choses qui ne sont pas faites pour fonctionner ensemble. Il y a un petit peu cette petite mise en garde avec cet arcane, mais globalement, on a une jolie énergie de douceur, de tendresse aussi. Alors, Tempérance nous parle également de transformation, de transmutation alchimique. Donc, changer son eau en vin ou vice-versa, changer le plomb en or. Il y a sans doute quelque chose dans votre situation qui va être amené à se transformer, à se transmuter. Donc soit la situation en elle-même, soit une personne, ou une façon de voir les choses, pourquoi pas. Donc nous allons compléter bien sûr cet arcane avec le reste de vos cartes. Et nous allons continuer donc avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawatt. Toujours disponible à la commande sur mon site internet si vous souhaitez l'acquérir. Alors, Capricorne. Capricorne. Mars. C'est celle-ci. Et celle-là. Alors, voilà votre première ligne. Hop, et c'est parti pour les Capricornes Mars. Oh bah, nous commençons avec la carte de l'emprise. Bon, un certain nombre d'entre vous subissent peut-être l'emprise de quelqu'un, l'emprise d'une situation, l'emprise d'une addiction, pourquoi pas. Peut-être que certains d'entre vous sont un petit peu dépendants affectifs, par exemple, ou dépendant à d'autres produits, ce n'est pas impossible. Mais là donc, il y a sur le tapis pour ce mois de mars une emprise dont il va peut-être falloir essayer de se défaire. Ouh, et alors cette emprise en plus, elle ne date pas d'hier. Cette emprise est extrêmement ancrée,
Depuis sans doute un certain temps, c'est une situation qui finalement relève un peu du blocage, vous empêche en tout cas sans doute d'évoluer ou d'aller vers autre chose. On est bloqué comme ça assez sévèrement sous cette emprise, donc qu'elle soit d'une personne, d'une situation, d'un produit, peu importe. Mais là, il y a quelque chose d'assez rigide. Et cette rigidité, ce blocage, cette emprise, eh bien, vous fait du mal en fait, hein, avec l'offense. Il y a quelque chose de blessant, de piquant. Si vous êtes sous l'emprise d'une personne, il n'est pas impossible là que vous ayez avec cette personne des échanges de mots assez difficiles, assez compliqués, assez blessants. On peut être ici dans le cadre d'une dispute, hein, par exemple. Peut-être êtes-vous sous l'emprise de quelqu'un comme ça qui sait très bien vous blesser par les mots, hein, par exemple. Ça va parler à certains. Et le solitaire. Bon. Alors, pour ceux qui sont vraiment au sein d'une relation qui comporte tous ces points qui ont pu être soulevés sur la première ligne, hein, c'est-à-dire cette mise sous emprise, ce côté un peu rigide et surtout ce côté blessant, hein, où on se blesse mutuellement très probablement. Là, clairement, les cartes vous suggèrent de passer un petit moment seul, hein, de retrouver votre indépendance, de retrouver votre liberté, de vous défaire de cette emprise afin de mener une petite période de célibat, de solitude qui vous permette eh bien, de vous retrouver, de vous reconstruire peut-être, de vous réindividualiser surtout, hein, de savoir à nouveau qui vous êtes et ce que vous voulez en dehors de cette emprise extérieure ici. Ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Là, on est parti sur un tirage qui est assez précis. Les cartons. Ben oui. Donc là, on me parlait au démarrage avec tempérance de transformation, de transmutation d'une situation. Et on me parlait aussi de ne pas essayer de faire fonctionner ensemble des choses qui ne fonctionnent pas bien ensemble. Et là, j'ai quand même bien l'impression, pardonnez-moi l'expression, mais qu'on essaye un petit peu de vous pousser dehors. C'est-à-dire, on me montre des capricornes, donc sous emprise, hein, sous l'emprise de quelqu'un, d'une situation, je ne vais pas me répéter, mais on vous suggère là quand même clairement de transformer cette situation eh bien, en la quittant, c'est-à-dire en vous retrouvant à nouveau seul. Et là, avec la carte des cartons qui nous évoque un déménagement, hein, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, sur ce mois de mars, il va être question de réfléchir à quitter cette situation. Et cela pourrait en passer, évidemment, par le fait de faire ses cartons et de déménager ailleurs. La plume, on vous guide. Alors, ne serait-ce que par la guidance que je suis en train de faire d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on me souffle. On vous guide, hein, pour essayer de faire bouger ce blocage ici, pour essayer de vous faire sortir de cette situation, pour en tout cas vous guider dans la bonne direction. Vous devriez avoir sur le mois de mars des petits signes, des synchronicités, des petits détails comme ça que l'on va vous envoyer pour vous pousser gentiment sur le bon chemin, hein, sur ce chemin de libération de cette emprise-là. On retrouve un petit peu la protection angélique aussi, hein, que peut déjà suggérer Tempérance. On vous protège dans cette période de vie.
On vous protège, on vous guide. L'éclipse, et oui, il est temps de se rendre compte que vous n'œuvrez pas dans la bonne direction, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas. On a investi sans doute beaucoup d'énergie pour faire perdurer une relation, hein, là, parce que je pense qu'on nous parle d'une relation, a priori ici, hein, faire perdurer une relation qui en fait s'avère blessante. Hein, s'avère blessante. Et essayer de discuter avec des mots piquants, avec des mots blessants, n'est pas la bonne voie, n'est pas la bonne solution. C'est-à-dire qu'en gros, on vous dit ne rentrez pas dans le débat, finalement. Ne rentrez pas dans le débat, puisque la communication n'a pas l'air apaisée, n'a pas l'air fluide. Eh bien, préférez peut-être tourner le dos, prendre de la distance, prendre du recul, pour voir les choses d'une manière plus claire. Là, visiblement, vous n'investissez pas votre énergie dans la bonne direction. Peut-être que vous vous dites, oui, ma relation traverse des problèmes parce que si, parce que ça, je sais pas moi, parce que je travaille trop par exemple, ou parce que lui passe trop de temps avec ses amis, ou c'est des exemples idiots que je donne, hein, mais alors qu'en fait le problème de votre relation ne vient pas du tout de là où vous le pensez. Là, il y a quelque chose à revisiter, hein, par rapport à cette réflexion-là. Quoique, on ne vous demande même pas vraiment de le revisiter, finalement, on vous demande d'en sortir, d'en bouger. Le volcan, et oui. On a essayé de faire perdurer la situation, on a essayé de faire perdurer la relation. On a peut-être mis, pour certains d'entre vous en tout cas, sous couvercle, certaines choses, certaines blessures. Peut-être qu'il y a eu des échanges de mots comme ça qui vous ont grandement blessé, et sur lesquels, bon, vous avez décidé plus ou moins de passer l'éponge en espérant que les choses allaient s'améliorer, voilà. Et en fait, tout ce sur quoi vous avez mis le couvercle, ça ne fait que monter en pression sous le couvercle, et ça va avoir besoin à un moment donné de sortir, d'être expulsé de vous. Hein. On a cette notion de tension, de pression qui monte, et qui va avoir besoin d'être relâchée, hein, à un moment donné. Le temple. Ayez recours à votre intériorité, ayez recours à votre paysage intérieur. Peut-être que votre paysage intérieur, lui, reste peut-être plus luxuriant que ce que vous vivez au quotidien dans cette relation. Appuyez-vous vraiment sur ce qu'il y a de très profond en vous pour trouver la sortie, pour comprendre ce qui est en jeu dans cette relation, et pour cerner quelles seront les bonnes actions à poser. Il est question aussi là d'avoir recours à la foi. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, si vous êtes, admettons, dans une relation ancrée depuis longtemps, un mariage, pourquoi pas, c'est quand même pas si facile de se dire « bon, bah, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus, je dois partir ». C'est un acte de foi, quelque part, de laisser, d'abandonner une situation existante pour aller vers on ne sait pas quoi, justement. Hein. On espère bien sûr qu'on ira vers quelque chose de mieux, mais finalement on ne le sait pas. Et c'est un acte de foi de se mettre quand même en route, même si on ne sait pas vers quoi on va. L'usure. Bon, il y a tous les signaux vous ont finalement déjà été envoyés, je pense. Hein. Cette relation, bien que très ancrée, et sans doute ancrée depuis longtemps, arrive à son terme.
vous en avez fini avec, avec cette expérience. Tous ceux qui ont fait une expérience comme ça de vie avec une personne qui aura eu tendance à vous mettre sous emprise, avec, voilà, on peut parler de plein de cas différents, mais là on peut avoir subi pendant longtemps l'emprise d'un personnage, hein, qu'il soit masculin ou féminin, peu importe, hein, mais là visiblement vous arrivez au bout de cette expérience-là. C'est pour ça qu'on vous demande de vous mettre en chemin, hein, d'aller chercher ailleurs, pas quelqu'un d'autre, mais déjà d'aller vous retrouver vous-même dans une forme de solitude pour pouvoir vous, vous recentrer sur vous-même, en dehors de l'influence de cette emprise-là. Vous êtes au bout de cette expérience. Le soupirant. Le soupirant. Peut-être que vous vous acharnez dans une situation, là, dans une relation, et on vous dit là depuis tout à l'heure que ce n'est pas la bonne direction. Mais en fait, c'est parce qu'il y a aussi quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un d'autre pour vous. Il y a sans doute quelqu'un d'autre pour vous qui vous guette, qui attend que vous soyez libéré de cette emprise-là. Et on vous dit aussi que le fait d'être dans une relation où on ne peut finalement discuter que en se blessant, où finalement on ne peut pas exprimer son véritable émotionnel, hein, ses tendres émotions vis-à-vis de la personne, ou voilà, ce genre de choses, on ne peut pas exprimer ses émotions, on ne peut finalement exprimer que des blessures, hein. Et ça, ce n'est pas la bonne voie. Ce n'est pas la bonne voie. Et le bambou. Bon, bah alors on ne peut pas être plus clair. Hein. On ne peut pas être plus clair. Il est nécessaire et utile pour vous, les Capricornes, sur ce mois de mars, de rapidement vous sortir de là. De rapidement laisser remonter à la surface tout ce que vous avez volontairement ou inconsciemment d'ailleurs étouffé. Hein. Tout ce qui est de l'ordre des blessures notamment, que vous avez étouffé sciemment, peut-être pour faire perdurer cette situation, parce que vous espériez sans doute que les choses s'améliorent. Mais là, on vous demande de réagir rapidement sur ce mois de mars. Comme nous dit Tempérance, on ne peut pas réconcilier l'irréconciliable, d'accord ? Et il est sans doute temps de transformer votre vie, de transmuter quelque chose dans votre vie pour sortir de cette situation d'emprise et de blocage là, qui visiblement devient vraiment nocif pour vous. Et encore une fois, hein, comme avec le temple, on vous demande vraiment de vous appuyer sur votre intérieur, sur votre vérité intérieure, parce que au fond de vous, vous le savez, que vous êtes en fin de cycle avec cette situation, vous êtes guidé pour en sortir, et peut-être avez-vous déjà remarqué des signes qui vous indiquent un petit peu ben, qu'il va falloir bouger, hein, qu'il va falloir changer de situation. Appuyez-vous vraiment sur votre intériorité pour savoir voilà, qu'est-ce qui va être juste et bon pour vous maintenant, dans cette situation, et rester calme et serein. Du calme et de la sérénité, on retrouve un petit peu aussi les énergies de Tempérance ici. Ce n'est pas la peine de partir avec perte et fracas en claquant la porte. On peut aussi s'y prendre d'une manière résolue, mais en étant parfaitement calme et parfaitement serein sur le fait que l'on pose la bonne action au bon moment. Voilà. Et quand on essaye de vous blesser aussi, par des mots par exemple, parce que je pense que beaucoup sont victimes de ça dans ce tirage, eh bien, on fait le dos rond. On fait le dos rond comme fait le chat. Il fait le dos rond et il attend que ça passe. Au lieu
de jeter de l'huile sur le feu ou de rajouter 100 sous dans le piano, comme je dis, en répondant, en essayant de se défendre. Non, ça ne fait qu'engrainer la situation encore plus. Donc, on fait le dos rond et on attend que ça passe. L'essentiel est d'être en sérénité par rapport à ce que l'on sait être juste comme action à poser maintenant dans cette situation. Bon, et ben, un tirage peut-être un petit peu sensible, un petit peu difficile et surtout très précis. Donc, ben, il ne va pas forcément parler à tout le monde, hein. J'en suis désolée. J'en suis désolée d'avance, mais par contre, je pense que pour de bon, les personnes à qui s'adresse ce tirage avaient sans doute besoin d'entendre ce message, même si je pense qu'au fond d'eux, ils savent déjà. Hein, ils savent déjà. Ce qu'il va falloir faire. Je vais prendre tout de même quelques cartes du tarot de Marseille pour peut-être un éclairage supplémentaire, un détail supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Encore ce 4, c'est dingue ça, je crois que Taureau, Vierge, Capricorne, vous avez tous les trois eu cette carte du 4 d'épée qui vous demande de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, de prendre soin du temps de repos nécessaire. Hein. Ménagez-vous des temps de repos suffisant pour être en bonne forme. Prenez soin de votre physique. On peut nous parler ici d'un temps de repos forcé. Hein. Si vous ne prenez pas suffisamment soin de vous, en tout cas, on pourrait en arriver à se retrouver alité pour un petit pépin de santé ou quelque chose comme ça, parce que l'on a négligé de prendre suffisamment soin de soi. Donc faites un petit peu attention à ça. On va sans doute jongler donc sur ce mois de mars. Alors, jongler du point de vue financier, peut-être, puisque s'il est vraiment question ici d'un déménagement, par exemple, ce n'est pas forcément des périodes où on est vraiment serein par rapport aux finances. Donc on peut nous parler de ça, d'une idée d'équilibre financier un petit peu précaire. Cela dit, on n'est pas non plus dans le grand déséquilibre financier, dans le gouffre financier non plus. Hein. Malgré tout, l'équilibre se maintient. Et là, et d'une manière plus générale, plus large, hein, il est question pour vous, là, sur ce mois de mars, d'essayer autant que faire se peut de garder votre équilibre personnel. Ne pas vous laisser comme ça, entre guillemets, tirer vers le bas par une personne ici qui n'est pas forcément très très bonne pour vous en fait. Et oui, j'ai encore cette notion de temps avec le 8 de denier. Là, je pense que ce tirage s'adresse quand même aux personnes qui sont dans cette situation d'emprise depuis longtemps, qui ont peut-être plusieurs fois déjà essayé d'en sortir, ou qui plusieurs fois ont pris des dispositions pour essayer d'améliorer les choses. Mais bon, il me semble assez clair quand même dans ce tirage que on n'a pas obtenu les résultats que l'on escomptait, hein, malgré peut-être de nombreuses tentatives pour améliorer ou pour redresser la barre, si je puis dire. Là, à mon avis, il est plutôt temps pour vous de passer au plan B, si je puis dire. Allez, je vais demander une carte conseil d'un maître ascensionné pour vous accompagner sur ce mois de mars. Un petit peu compliqué, mais sans doute salvateur pour vous. Bon, et ben j'en ai deux qui se sont retournés. Je vais les prendre, hein, même si nous avons Jésus avec ouvrez votre cœur à l'amour. Et nous avons Ina qui vous dit liberté. Liberté, les amis.
là pour tous ceux à qui ce tirage a parlé, toutes les personnes qui sont bel et bien sous l'emprise, que ce soit d'une personne, que ce soit pourquoi pas d'un produit, là sur ce mois de mars, eh bien vous pouvez très bien ouvrir la porte à la liberté, hein, vous libérer, transformer cette situation d'emprise en situation de liberté. Donc utilisez vraiment ces énergies puisqu'elles sont à votre disposition, hein. Et ensuite ouvrez votre cœur à l'amour. Alors là, bon, ce qui est important quand on est, quand on a expérimenté quelque part une mise sous emprise de la part de quelqu'un, si l'on est aussi par exemple dépendant affectif ou ce genre de choses, eh bien on ne s'aime pas soi-même, on ne se respecte pas soi-même. Et là, quand je lis « Ouvrez votre cœur à l'amour », je pense à vous en priorité. Reconnaissez que vous êtes une personne aimable, digne d'être aimée, et que vous ne méritez pas d'être sous emprise de quelqu'un, ou vous ne méritez pas de récolter des paroles blessantes, comme on nous l'a dit ici. Aimez-vous. Aimez-vous de manière à mettre des limites, à mettre des bornes sur les maltraitances, on peut dire le mot peut-être là, sur les maltraitances que vous subissez. Quand on s'aime soi-même, on ne se laisse pas maltraiter. Ok ? Et aussi, en deuxième intention, quand on a vécu une relation un petit peu totalitaire comme ça, on peut avoir tendance par la suite, bien entendu, eh bien à se blinder, hein, à ne plus se laisser s'approcher. Donc là, attention de ne pas non plus vous refermer complètement, de pouvoir rester ouvert à la suite, hein, parce que ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas su vous aimer comme il fallait que personne n'en sera capable. On nous a indiqué ici quand même qu'il y avait sans doute quelqu'un qui vous guettait, hein, qui attendait que vous sortiez de cette situation négative là. Donc ne vous fermez pas à l'amour, vous y avez droit vous aussi, il n'y a pas de raison. Mais pour cela, eh bien, il ne faut pas fermer son chakra cœur, il faut rester quand même disponible à ce qui pourrait nous arriver par la suite. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance aura parlé à un maximum d'entre vous. J'imagine que ça ne va pas forcément être le cas, donc pour tous ceux à qui ça n'a pas parlé, eh bien n'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes, hein, bien sûr. Vous pouvez aussi réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Donc pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet. Voilà, les amis, je vous souhaite du courage pour ce mois de mars, amis Capricorne. L'ange Tempérance veille sur vous, ne vous inquiétez pas trop, d'accord? Merci pour votre écoute, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Vous savez que c'est très important pour nos chaînes YouTube, tous ces petits gestes-là, donc je vous en remercie à l'avance. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouverai bien sûr avec un grand plaisir le mois prochain. À bientôt les Capricornes. Bye bye.